Hey, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un Doc Mayou. Ça vous tente-tu de regarder un Doc Mayou? Il est peut-être drôle. Ben oui. Il est mieux d'être drôle vite. Par exemple, il est long. Oui, il est long? Ouais, il est long. C'est un extrait d'aujourd'hui. C'est 22 minutes. Tabarnouche! C'est ma romance frénétique avec un pervers narcissique. On a Mégane maintenant. Bonjour, Mégane. Allô? Mégane. Salut! Ben, moi, j'appelais parce que, dans le fond, moi, j'ai comme vraiment des problèmes au niveau de mes relations, c'est mon ex. Avec les hommes. Là. J'arrive comme... Ça que je suis pas tout le temps un maudit pervers narcissique où je me fais ghoster, où le gars, finalement, il est peu intéressé, puis je me gère comme plus en ce moment. Story of my life. Là. C'est pas... C'est story of my life. Arrête de te plaindre, Chris. C'est l'histoire du dating de 2023, là, ah, tu sais, là. 18 ans ou peut-être 19 ans maintenant? Non, j'ai pas 18 ans. J'ai 28. Oh, okay, shit! Parfait. Story of my life! De 18 ans. Okay. Non, c'est pas moi, c'est notre. Parfait. OK. Gros fret. Ouais. Allez-y, continuez, je vous écoute. Ben, dans le fond, c'est ça. Tu sais, comme je me suis sortie d'une relation avec mon ex, que c'était un pervers narcissique qui a duré un an et demi. J'ai vraiment eu de la difficulté à me sortir de cette relation-là. Ben oui, regardez, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a qui marche pas dans votre discours, là? Qu'est-ce qu'il y a qui est pas compatible, qui est incongru? Elle a même pas... Elle a placé deux phrases, mais non, mais... J'appelle pas ça un discours, là! Doc est en... Doc est en mode attaque aujourd'hui, il là. Il est prêt, là. Ouais, Doc, il y a un petit peu de... Il y a un petit peu de colère qui va sortir, là. Il y a quelque chose... Il y a un petit peu... Il y a quelque chose qui va sortir. C'est un maudit pervers narcissique. J'ai eu de la misère à me sortir de la relation. Non, c'est pas vrai. Je sais que vous mentez à vous-même, là. Ouais. Ben... Pourquoi vous le traitez de pervers narcissique alors que ce gars-là vous a apporté beaucoup? C'est quoi cette affaire-là? Beaucoup de négatifs. Vous avez trouvé dans la tête que ce gars-là était un pervers narcissique? Ben, à cause des comportements qu'il y a eu avec moi, de manipulation, de... Oui, mais arrêtez, vous étiez... Vous venez de nous dire que vous avez eu beaucoup de difficultés, puis là, vous arrêtez de sortir de cette relation-là, alors qu'il aurait été épouvantable. Ça marche pas. Hey, Doc, come on, un pervers narcissique. T'as de la misère à sortir d'une relation avec un pervers narcissique. Pas parce que t'es bien, ben non. C'est parce que c'est des manipulateurs. Ben non. Défends-toi, fille, hostie! Sais-tu ce que ben, c'est? Pour ben ça ouais, calice! Ben voyons donc! Vous êtes sur une mauvaise pente! OK. OK! Elle shame... Chris, ça n'a pas de bon sens! Elle shame lui! Elle shame elle! Doc, il shame la fille! Vous êtes à vous sortir de cette relation-là parce que cet individu-là vous apportait beaucoup. Qu'est-ce que ce gars-là vous apportait? Ben... Tu sais, c'était comme vraiment les affinités, la compatibilité, puis tu sais, c'est sur certaines sphères, ça allait super bien, mais sur d'autres sphères, ça allait vraiment pas bien. Compatibilité, allez-y uniquement avec ce qui... Qu'est-ce que ce gars-là avait qui vous attirait tant? Déculottez votre pensée! Ben, le fait qu'on partait souvent comme en voyage, à l'aventure, tu sais, que, tu sais, on avait vraiment une vie trépidante ensemble, là. On allait tout le temps voir des spectacles, tu sais, puis quand on avait comme, on pouvait aussi écouter comme des films, tu sais, c'est vraiment les moments amis, couple, ils étaient vraiment bien, mais c'était comme niveau sphère, communication, puis. Hé, hey, connard, de la chenoute, arrêtez! Tabarnak, la chenoute, arrêtez! Mais voyons! Calice, voyons, tabarnak! C'était pas sa journée, là. Une question, concentrez-vous. OK. Après un an et demi, vous avez beaucoup de difficultés à vous en sortir. La relation a duré un an et demi ou ça fait un an et demi que la relation a cessé? Non, la relation a duré un an et demi. Et là, vous avez de la difficulté à vous en sortir. Ben, j'y arrive plus, mais... Alors, continuez. Continuez, ça va très bien. Compatibilité.
voyage. Passif agressif comme commentaire. C'est lui qui est toxique. Le cinéma, les films, le cinéma. Continuez. Quoi d'autre que vous aviez de très Vous êtes une petite profiteuse. Quoi d'autre? Maison, de... Maison du pain. Vers lui. Ben, comment qu'il est. C'est comme quand il était gentil, dans les passes qu'il était gentil, il était comme parfait. Quand il était dans des bons moments, il était super. T'sais, il était très attentionné, il était amoureux, mais il faisait du love bombing. C'est vraiment beaucoup. C'est quoi du love bombing? C'est quoi du love bombing? Je sais pas, je connais pas ça. Love bombing. J'espère que le doc va y demander. Oui, j'ai entendu l'expression, mais je pourrais pas te le dire. Du love bombing. C'est quoi ça? C'est comme vraiment donner de l'amour sans arrêt. Puis après ça, pour punir, ben il me retirait ça. C'est ça, d'un coup. Fâché ou des choses comme ça pour me manipuler avec l'affection. C'est comme de l'addiction aussi. Alors, ouais. Ah! Parce que c'est de la dopamine, puis après ça, ouh! Plus rien. Ah, plus rien, ouais. C'est le même, ouais. Qui manipule pour te ravoir. Puis toi, j'ai sorti avec un permanent. C'est I know what it is! Je sais pas si mon chérie, je suis de même. je me demande si je suis de même, tu sais. Parce que, tu sais. Tu nous as dit une fois que tu étais un petit peu manipulateur. Ouais, mais tu sais, en même temps, je ne sais pas que je suis manipulateur. Tu sais, je fais pas comme je vais la manipuler. Tu fais un quiz sur Internet. Comme tu sais, je fais. Es-tu un pervers narcissique? Mais je fais ça, par exemple. Je fais des babounes. Tu sais, je fais la baboune. Fait qu'évidemment que, tu sais. Mais est-ce que. C'est être pervers narcissique ou être un homme enfant? Ah, je pense que c'est. Ah! Je pense que je suis un homme enfant, c'est ça. Ouais. C'est peut-être juste ça. Parce que je suis vraiment bébé là, tu sais. Oh, menace. Il utilisait une menace de retrait d'affection. Il menaçait pas, il faisait, en fait. Oui, oui, il menaçait, mais il faisait. Bon. Ben oui. Okay. Lui, il était là. C'est normal. Yann, c'est Peter Pan. Ça dépendait comment que le niveau de punition qu'il voulait me donner. Oui, mais regardez, ça, chaud, ça marche. Ça. Ouais, hein, c'est... ça dépendait. C'est excitant, ça. Il n'y croit pas. Non, il n'y croit pas. Je trouve ça vraiment triste. Regardez, ça marche pas. Vous sortez. Avez-vous été en thérapie, vous? Ben, c'est peut-être pour ça qu'elle t'appelle. Si elle avait été en thérapie, elle aurait trouvé un thérapeute qui a de l'allure. Elle n'appellerait pas un gars, c'est un show. Puis elle paierait son Patreon. Parce qu'il faut qu'elle soit Patreon pour l'écouter. Golisse. Il est magique. Mais es-tu certifié psychologue? Non, il l'est plus, là, je pense. Il a perdu son droit de. Mais semble. Non, mais semble, à chaque fois qu'il s'est battu, lui, il a gagné. Il n'a jamais perdu contre le Collège des médecins. De mémoire, il n'a jamais perdu. Votre mépris, vous dites. Il est psychiatre. OK, il est psychiatre. OK, excusez. Ouais. Puis à chaque fois qu'il s'est battu, le Collège des médecins a essayé tout ce qu'il peut pour. Puis ils n'ont jamais réussi. Il est fort, là, comme ça se peut pas. Il a été renouvelé encore. Sa jambe, en tout cas. Il y a plusieurs patients dont il parle souvent. OK. Il ne parle pas depuis la relation. Avez-vous déjà été en thérapie? Oui. Ah, c'est ça, il peut pas. Il peut pas pratiquer sur les enfants. C'est pour ça que je vous pose la question. Ah, puis le Collège des médecins lui a versé un bon montant. Okay. Vous dites une chose et son contraire. C'est incongru à l'os. Vous ne pourrez pas vous en sortir avec le genre d'histoire que vous vous racontez. Le gars, il est compatible. On fait des voyages, on l'aventure, la vie trépidante, le cinéma. Il est parfait quand il est gentil, il est très attentionné. Et là, il me retire... 4 millions? L'affection. Mais non, mais ça ne va pas avec tout le reste que vous venez de dire. Ça n'a aucun sens. Oui, mais au début, tu sais, je veux dire, des fois, il se mettait à faire des crises de colère. Puis là, il devenait super violent verbalement. Il venait violent comme, tu sais, il tapait les choses, tout ça. Il venait menaçant. Puis après ça, il revenait, tu sais, comme dans un cycle. Mais non, mais regardez, vous vous êtes compté une maudite bullshit. C'est de l'abus verbal puis mental, là. Là, plus ça va aller, vous allez voir, les crises de colère, il est violent, il est menaçant, il vous intimidait. Mais vous nous avez dit que
vous étiez compatibles. Vous avez fait des voyages, l'aventure, la vie trépidante, le cinéma, la gentillesse, très attentionné. Ça marche pas. Ben voyons donc. Oh, lisse! Qu'est-ce qu'il y a qui marche pas? Ben voyons, c'est toi! Vous vous mentez à vous-même. C'est sûr, avec une jambe. Vous avez hey. des psychologues ou des travailleuses sociales dans votre il y a beau avoir une jambe, mais il court ouais, après le trouble. Vous n'entrez pas là-dedans deux minutes. Ça n'a pas de maudit bon sens, votre affaire. Mais toi non plus. Mais là, on t'appelle pas. Je suis compatible. J'ai ouais, une vie trépidante avec un pervers narcissique. Hey, les auditeurs, qu'est-ce qu'il y a qui... Non, non, mais tu sais, les pervers... C'est parce que c'est pas un pervers narcissique au début de la relation, là. Non, pis tu peux pas... Tu gardes pas quelqu'un dans tes griffes en étant exclusivement... Tu sais, un pervers narcissique, lui, il voit ça comme des méchants dans des films, là. Tu sais, là, c'est comme... le gars, il rentre chez eux, puis il est méchant, puis... Non, c'est très sournois. Ouais, c'est ça, tu sais. Les gars, c'est des manipulateurs. Un pervers narcissique, c'est des manipulateurs. Ils savent... quelle corde sensible aller chercher chez quelqu'un. Puis ils savent vers qui aller. Tu sais, me semble, tu... comme elle a dit, là, ah, elle va pas trouver les bons gars. Tu sais, mais c'est parce qu'elle a pas réglé le problème du... Tu sais, c'est sa vision à elle des hommes ou de ce qu'elle recherche qui est pas bonne. Ouais. Tu sais, aussi. Ouais. Qui fait qu'elle retombe. Parce que je pense vraiment qu'un type de personne victime... Tu sais, il y a un type de genre de personne qui va tomber sous l'emprise d'un pervers narcissique. Puis ça change. Écoutez là. L'extrait, tu vas comprendre. Écoute l'extrait, tu vas comprendre. Ah oui, mais je trouve ça bon, là. J'aime le... Ouais. J'ai hâte de voir. Si j'ai une vie trépidante... Donne un show, tu sais. Je suis compatible avec un pervers narcissique, j'ai un sacrement de problème. C'est ça. Je suis pas saine. Il fait des crises de colère, il est violent, il m'intimide. Mais regarde. Ouais, c'est. Mais regarde. C'est quoi ça? Mais regarde, c'est le nouvel humour de Yann. Je veux ça comme humour. Wow. Wow. Ah, il peut être imbécile des fois. Calisse!